là-bas, vous irez là. Bâtiment 23. Toi, tu fais quoi, l'asmala? Mettez-vous par là. Alors, l'histoire de cette chanson avec Patrick, elle est très simple. On s'est retrouvés en tant que soldat du cœur sur les Restos du cœur. Et il est arrivé avec son accent, j'ai dit lui. Il vient d'où, lui? Et on a discuté ensemble. On s'est aperçu que quelque chose nous avait réunis dans sa vie et dans la mienne. Patrick Fiori est né dans les quartiers populaires de Marseille, comme moi. On se raconte un peu les histoires de nos quartiers. Herbel pour lui, moi, Plandao. Soprano m'a avoué qu'il connaissait bien cette cité-là et qu'il l'avait bien fréquentée. On avait traversé les mers, on avait tout laissé. Toutes ces anecdotes-là, il l'a raconté un jour à Jean-Jacques Goldman. Et Jean-Jacques m'a appelé quelques jours après en disant « Ton histoire ne m'a pas quitté, je pense qu'on va en faire quelque chose. » Et il est arrivé. Les conneries, les faux bagarres au papa, ça filait droit dans toutes les voies. En fait, donc, ce qu'on veut créer, c'est des enfants qui vont faire avec Soprano au Plandao. Et moi, avec moi, à Herbel. On est chez nous, à Plandao. Pour moi, c'est un morceau important parce que moi, je viens des quartiers, c'est quelque chose que je chante tous les jours, que je représente tous les jours, que je défends et je suis fier. Lui qui vient à Herbel, moi qui connais bien le Plandao, du Jean-Jacques Goldman au milieu, ça fait une jolie chanson au menu en fait.